そのために。戦士となるのだ。Hey, salut Valjean, ici Kevin Valmar pour vous servir. Hey hey. Alors, je dois vous informer d'une chose, apparemment, selon YouTube, vous êtes plus de 85% à ne pas vous abonner. Et toujours selon YouTube, vous êtes entre 18 et 35 ans. Alors aussi, toujours selon YouTube, il y a 7% de femmes qui regardent ma chaîne, donc mesdames, vous n'êtes pas nombreuses, mais je vous salue bien bas. Merci de vous intéresser au contenu que je fais. Bon, reprenons nos moutons. Donc, si j'en crois la section de votre âge, à moins que vous ayez déjà Alzheimer, ce qui serait problématique pour vous et votre entourage, je vous conseille donc d'appuyer sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous pourrez toujours retrouver la chaîne dans votre liste d'abonnements. Et si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos qui sortira, vous n'avez qu'à mettre la cloche. Bon, personnellement, je le fais pas, hein. Perso, je ne mets jamais la cloche quand je m'abonne. Le plus souvent, tout ce que j'ai à faire, c'est juste regarder ma liste d'abonnements et voir s'il y a un petit point bleu qui apparaît à côté du nom de la chaîne. Habituellement, dans 95% des cas, ça veut dire qu'une nouvelle vidéo est sortie, donc voilà, c'est le prototype du Valmar, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Sachez aussi que le Valmar ne gagne aucunement de l'argent sur cette chaîne. Je suis sérieux, je ne fais ça que par passe-temps, parce que j'ai du temps, je peux le faire, etc. Donc ça fait que je propose de découvrir les jeux que je fais, soit parce que c'est des jeux que je connais depuis très longtemps, soit parce que c'est des découvertes que j'ai envie de partager. Donc voilà. Donc le mieux pour soutenir mon travail, hein, c'est juste de mettre un petit pouce bleu. Ça me permet déjà de savoir, un, que vous avez apprécié le contenu, et de deux, ça me permettra de m'aiguiller pour savoir ce que vous préférez, et donc bah, ça me permettra de savoir sur quoi je dois mettre la priorité quand je fais mes vidéos. Et vu que les pouces bleus, c'est un peu mon paiement pour le coup, eh bah, si vous voulez rajouter un pourboire, vous n'avez qu'à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours du bien de vous lire, hein, et de savoir ce que vous avez pu penser, de ça, etc., de ce que je fais, hein, tout simplement. Bon, évidemment, je ne peux pas non plus vous forcer à mettre un commentaire si vous n'avez rien à dire, hein, donc voilà. Bien que je sois en ce moment derrière vous avec une arme à feu en train de vous viser pour vous obliger à mettre un commentaire, si vous vous êtes retourné pendant que je vous dis ça, eh bien, vous devez vous sentir bien bête, pour le coup. Bref, donc, les Valjean, je vous laisse à la vidéo. Donc, allez, hop, moi, j'ai plus qu'à faire autre chose de ma journée, hein, comme, je sais pas, moi, bah, à faire des vidéos, tiens, c'est... En ce moment, j'ai que ça à faire, donc, écoute, je vais faire ça. ま、ここでいいだろう。探索ご苦労。それじゃ、少し下がってろ。魂の色はどんなだったか。はあ、見つけた。
間違いない。姉さんだ。 大丈夫か？ なんとかね。私は一体。あなたは二度目の帰還を果たしたのです。エンシェントテレポによる地脈の放浪から。ああ、そう、そうだったわ。薬を、解毒薬を取るにはそれしかないと思って。我ながらひどい無茶をしたものだわ。気づいてくれてありがとう。アネさん、アネさん、魔導屋のアネさん、無事でよかった。本当に本当に。困った子ね。あなたが泣いていたらみんなも不安になってしまうわ。この魔女マトーヤが早々死ぬものですか。まだまだ知りたいことは尽きなくてよ。功労者への感謝はなしかね。お話ししたアシエン・エメト・セルクです。あなたを地脈から引き上げる役目は彼が。そう、あなたが例の。信用するかどうかは別問題として、今回は感謝するわ。助けてくれてありがとう。それでまさか先に北アンナ御影堂に行ったりはしていないでしょうね。この私を置いて遺跡探索なんて許さなくてよ。それだけ元気ならアルメたちも安心するだろうさ。遺跡のことを聞くためにも一度ファノブの里に戻ろう。
行くぞ。行くぞ。沈んでもらう。槍をつけるわ。
てちょうだい。私だってやれるんだから。私だってやれるんだから。Thank you.
揺れるんだから。
私だって揺れるんだから。私だってやれるんだから。行きます。覚悟してちょうだい。
てみせます。
覚悟してちょうだい。守ってみせる。これで3体目。夜の民のみんなにもこの空が見えてるかな。ああ、きっとな。やはり彼女の具合が気になりますか。ええ、今回は大丈夫そうだけれど、あくまで今回は、よ。本人に黙っているつもりもないわ。ねえ、ウリエンジェ。取り戻した夜空は、綺麗かしら。すべらかなる漆黒に星影はさやか、白に虹に輝きはあまた散りばめられん。原初世界と変わりない美しい夜空です。穏やかで優しい。
見とれるほどの天の暗き海でしょう。そう、星もまた命の流れをまとうもの、あなたの目にこそ美しく映っているのではないですか。お疲れ様。さあ、胸を張って帰りましょう。この部屋の壁画、廊下より古い時代のものね。すごい、どうしてわかるんですか？使われている顔料に特徴があるのよ。大抵の顔料は鉱物なんかを含んでいるから見分けられるの。キタンナ御影堂は古代の英知を守り伝えるための神殿だとアルメたちが語っていた。それがこの壁画ということかしら。こんなところで道草を食っているなよ。おかげで存外に歩かされた。今度は出迎えのつもりか。バカ言え、私がそんな面倒なことするわけないだろう。なるほど、やはりあと数体倒さないと何とも言えないか。何の話かしら。いや旦那、いちいち気にするなよ。約束通り手を貸して約束通り見ているだけだ。それじゃ私は帰る。お前たちもさっさと帰って次に進むことだな。これはまた懐かしい光景だな。この壁画のこと知っているんですか？昔々は誰もが知っていたさ。世界が原初世界と共造世界に分かたれた時、全ての命も14に分かたれ、それぞれの世界で別の存在として生まれ変わった。そうして本来の世界を知る者はいなくなったが、人は時に夢としてその光景を垣間見たのさ。知らないのに知っている、人類共通の夢。昔は大層不思議がられて絵に描かれたり歌にされたり、まあいろいろ扱われたものだ。それも見なくなって久しいと思ったが、こんなところでまたお目にかかるとはな。詳しいわね。ということは書かれている内容についても。世界が分かたれる前、そこには栄えた文明があり、多くの命が生きていた。しかし断りが乱れ、未曽有の災厄が発生、文明は、命は危機に立たされた。
その文明の人々は祈りと犠牲によって星の新たな断りを紡ぐもの、星の意志を生み出した。名はゾディアーク。それによって最悪は沈められた。待って、ゾディアーク、それって。こうした最悪は過ぎたが、ゾディアークという強大な力をめぐって人の意見は割れた。それを封じるべきとする者によって枷となるもの、ハイデリンが生み出された。ゾディアークとハイデリンは戦った。結果はハイデリンの心象。ハイデリンが放った渾身の一撃で世界は分かたれ、ゾディアークもまた分断されて封印された。以上、忘れられた歴史の話だ。信じるかどうかは勝手にしてくれ。ハイデリンの言い分はどうせ違うだろうしな。仮にその話が真実だとして、それじゃゾディアークとハイデリンというのは。なんだ、それすら気づいてなかったのか。あれはこの星に元よりいた神なんかじゃない。かつての人によって作られた星の意志。お前たちに分かりやすいように言うとだな、最古にして最強の蛮神だ。とてもじゃないけど、今すぐ受け入れられる内容じゃないわ。それが妄言でないというのなら、知っているあなたは何者なの？やっと、ついにそれを問うか。私とは、アシエンとは何者か。私たち、特にオリジナルと呼ばれるアッシエンは、ゾディアークを召喚せし者、つまり分かたれる以前の世界の人だよ。だとすれば、世界の統合にこだわっているのも頷けるだろう。私は世界、人を真なる形に戻したいのさ。当然の欲求だろう。Bonjour, ici Kevin Valmar à nouveau pour vous servir. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous regardez habituellement les scènes post-crédit au cinéma. Bon, je peux pas vous enlever ça, on est de plus en plus nombreux à le faire. Donc, pour ceux qui ont sauté l'intro de la vidéo, ou qui ont sauté les 5 premières minutes, ce qui serait quand même étrange, mais sait-on jamais, n'oubliez pas de vous abonner afin de pouvoir retrouver plus facilement la chaîne. Mettez la petite cloche, histoire d'avoir des notifications par rapport au fait que si jamais je sors un nouveau contenu, bah vous serez prévenu. Bon, perso, je le fais pas, hein, puisque comme j'ai déjà expliqué, il suffit juste de regarder sa liste d'abonnements. Si vous voyez qu'il y a un petit rond bleu qui apparaît à côté du nom de la chaîne, bah c'est tout simplement qu'en fait, dans 95% des cas, il y a une nouvelle vidéo qui a débarqué. Donc, voilà, quoi. Disons que le coup de la cloche, c'est un peu le délire de YouTube, mais bon, on va rien dire. Je vous rappelle aussi que je ne gagne pas d'argent sur cette chaîne, je ne fais ça vraiment que par passe-temps.
Donc, si vous voulez soutenir mon travail, le seul truc que vous avez à faire, c'est tout simplement me mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu, comme on dit maintenant, tout simplement pour dire que vous avez apprécié le contenu. Et comme ça, ça me permettra au fur et à mesure du temps de savoir ce que vous aimez le plus sur la chaîne, et donc sur quoi je dois mettre la priorité, afin de vous donner toujours du contenu que vous appréciez. Et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa de lire ce que racontent les gens, hein, et surtout ce que vous voulez me dire à moi. Bon, je peux pas vous forcer non plus de mettre des commentaires parce que j'adore vraiment lire les commentaires, je veux vraiment savoir ce qui vous passe par la tête, tout ça, etc. pour mieux savoir ce que je dois faire sur la chaîne, tout ça et compagnie, mais bon, comme j'ai dit, je ne peux pas vous forcer, donc voilà. Mais pensez-y, hein, ça fait toujours un petit plaisir au petit cœur du petit Valmar. Donc voilà. Donc sur ce, les vagins, à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite, et ciao ciao, on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.